Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau sweat que m'a offert très gentiment mon meilleur ami Xavier. Donc, bisous à toi, mon poteau. Et encore merci à toi. C'est un sweat normalement pour filles, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais tout simplement, il l'a vu, il s'est dit, c'est Justin, comme il est Belieber, je vais lui acheter. Et voilà, ça me fait trop trop plaisir vraiment de l'avoir. En plus, c'est un des Stadium Tours, donc de sa tournée des stades en fait. Et j'en avais pas encore dans ma collection. De vêtements de Justin, tout simplement, donc ça me fait super plaisir. Comme vous pouvez voir sur le côté, hein, c'est un sweat avec des impressions, donc avec Stadium, Bieber, Justin, tous les noms des stades qu'il a fait. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a même Lille, là où j'ai fait le NSF, tout simplement. Et ça, c'est super cool. Ça fait plaisir que la France soit notée sur un vêtement de Justin, tout simplement. En plus des impressions, il y a des petites bandes sur chaque côté des bras et ça c'est super stylé, vraiment. Petite capuche aussi doublée, donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait en bas en fait du sweat. Donc ça fait un effet un peu, ça va où le vent mènera le vêtement, quoi. C'est un peu ça le délire. Et moi je suis un très grand fan des vêtements qui sont fluides comme ça. Donc pour le coup, bah c'est un sweat juste magnifique. Moi, je kiffe vraiment. Bah quand il m'a montré ça, j'ai fait mais non, t'es pas sérieux et tout. J'en avais pas encore vu des comme ça et tout. Mais franchement, ouais, j'adore, j'adore. Donc on va passer tout de suite pour la petite composition du vêtement. Vous dire un peu comment il est fabriqué, avec quoi il est fabriqué et comment faut le laver. Parce que ça, c'est très important aussi, les amis. C'est bien d'acheter des vêtements, mais il faut en prendre soin. 60% de coton et 40% de polyester lavable en machine à 40 degrés. Donc ça, c'est pour la composition et comment laver le vêtement si vous en détenez un de ce même style. Tout simplement. Pour le petit OOTD, c'est tout simple. J'ai choisi bien évidemment le sweat avec un t-shirt VIP clothing très très oversize avec un petit Sarwell 6 jean tout noir avec des petites chaussettes montantes Adidas et des Adidas NMDR 1. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, mais en tout cas c'était un plaisir encore. Merci à toi frérot, ça fait vraiment 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 plaisir. Bisous à tout le monde, peace, mais pas sur moi. Pouh.